Alors, la question des témoins est intéressante. On peut dire telle personne, par son comportement, par ce qu'elle raconte, est dans une situation de témoignage. Et en même temps, on s'aperçoit que ce témoignage n'a pas beaucoup de valeur isolément. Il ne fait sens que si il recoupe un certain nombre d'autres personnes qui sont dans la même situation, en quelque sorte. Autrement dit, paradoxalement, le témoignage ne fait sens que s'il est collectif. Non pas que les gens doivent témoigner collectivement et ensemble, mais il faut que l'addition de ces témoignages aille dans le même sens. Si ce n'est pas le cas, ce qu'on va pouvoir extraire du témoignage est de peu de valeur. Puisque par définition, un témoignage ne fait sens que s'il s'inscrit dans un groupe, dans un ensemble.